Voici les plus grandes. Salut. Bonjour. Désolée, j'ai dormi trop longtemps. Je m'habille, j'arrive dans une minute. Il paraît que t'as passé une drôle de soirée. J'ai dû refilmer, enfin réenregistrer là cette partie-là parce que ça a complètement sauté cette. Voilà, c'est pour que vous compreniez la situation. Je parlais de ton engueulade avec Seth. Attends, t'as embrassé Dina? Je ferai un montage pour pas couper parce que ça c'est pas hyper passionnant. On est séparés depuis une semaine et tu bécotes mon ex? Salope! Elle voulait peut-être juste te rendre jaloux, moi je voulais pas. Tu vois pas que je te fais marcher. Je m'en fous, ça va. Va t'habiller. T'es bien con. Hey. C'était quand même pas très cool. Dépêche-toi, on est en retard. Ça pue pas. Oh. Je suis fatiguée. C'est plus la petite jeune de 14 ans que l'on connaît, hein? CBD. Joël est réveillé. Ça craint. Arrête. J'allais justement me lever. Si, je te jure. T'as tout ce qu'il faut? Ouais. Je te préviens, tout le monde parle de toi ce matin. Pourquoi? Ok, petit résumé. T'as embrassé Dina. C'est elle qui m'a embrassé. Ce qui a conduit Seth à te traiter d'un truc pas sympa. Ouais. Ensuite, Joël l'a frappé. Il l'a juste poussé. Et puis tu t'es énervé contre Joël. J'ai pas compris ça. C'était une soirée bizarre, Jessie. Non, ça. Donc je me répétais un peu, mais ça me fait penser un peu à Redemption, Red Redemption 2, au niveau de l'univers. Enfin, c'est beau, y a rien à dire. Donc, tu m'en veux pas, hein? On va faire ça vite fait, c'est juste pour que le montage soit cohérent, Dina et moi, c'est du passé. Vous compreniez ce qui se passe entre les personnages. Je vais pas que tu penses. Ellie, tout va bien. Allez, on recommence. Putain d'enregistrement de merde! Il est cool, mais je l'aime bien. Il est mignon. Oh, coucou toi. Salut mon vieux. Oui, ça fait du bien. Non, toi aussi, t'es mignon. Salut. Salut Jessie. Ouais, il parle de ce qui s'est passé hier. C'est vraiment des commères, les gens, même après l'apocalypse. C'est incroyable, ça remet pas les idées en place. Enfin, je crois que c'est dans la nature humaine, ben, le lapsus, merde. C'est dans la nature humaine d'être une merde. Où est Maria? Derrière. Et blablabla, bla bla, comme dirait. Mon chanteur, un de mes chanteurs préférés, Philippe Catherine, bla bla bla. Seth voudrait te dire quelque chose. J'ai aucune envie de discuter avec un fanatique. Fais-le pour moi. Le mec qui te l'a traité de bip. D'accord. Seth. Seth, viens là. Je sais toujours pas en quelle année on est, je sais toujours pas. Salut. Je crois que c'est fait exprès de pas. Hier soir, j'avais une. Tu peux vouloir dater. Ouais. J'essaie juste de l'excuser. Maria m'a dit que tu partais en patrouille avec Dina. J'ai préparé des sandwichs. Ok. À la
bien. Merci. Ça, quoi. Ouais. Bon. Soyez prudente. Ouais. Je te remercie. C'est quoi ça? Sandwich de fanatique. Ça sent bon. Prends-les. T'es sûr? Vas-y. Je vous raccompagne. Ok. En partant, je veux que tu relèves Tommy et Joël. Ces deux-là sont partis depuis bien trop longtemps. Je les retrouve où? Ils devraient être au poste de Guénan Ouest un peu plus tard dans la journée. Et fais attention. On nous signale beaucoup trop d'infectés dernièrement. Ok. J'avais prévu de vérifier la route de la rivière. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en occupe. Je te dis, t'es là, il y a une petite crèche, regardez, c'est trop mignon. Non, pas vraiment. Tina la connaît bien. Elles pourront y aller ensemble. C'est réglé alors. Ellie, je peux te parler une seconde? Ça va? Je sais pas ce qui se passe entre toi et Joël. Mario. Il tire énormément à toi. Je suis sûre qu'il voulait pas te faire de mal. Tout va bien. Mais après, ce que j'ai compris, c'est qu'il l'a, il a défendu quand le barman il l'a traité. Il a eu une insulte homophobe, si j'ai bien compris. D'accord. Je vois pas pourquoi ils sont fâchés en fait. C'est l'heure. Deux secondes, j'arrive. Ah. Tu peux dire à ta copine d'aller. Donc je vous présente Dina. Je suis bien, hein. C'est la même surprise vu que ça fait deux fois que je reçois. Je peux te parler. Hé les gars, je fais une pause. Oh non, ça va durer longtemps. Je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir. Oh non, c'est pas grave. Je comprends très bien. Et je suis vraiment désolée. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai commencé. J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et... T'étais bourrée, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que tu penses... Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu me laisses toujours finir mes phrases. Je suis pas si sûre que ça, moi. Okay. On devrait se mettre en route. Non, ça va pas, non? Je joue pas avec vous, moi. C'est vrai, mon gamin. Mais la misère. Il était sous mon aile. Ouais, bonne idée. Vous l'avez cherché? Bon, oui, vous avez pas raté grand chose, mais bon. Vous avez parti. Enfin, ce jeu est tellement beau que ce serait un sacrilège. Ah, vous êtes nus. Putain, je m'éclate. Franchement, ça fait deux fois que je le fais. Ça fait deux fois que je le fais. Ah merde, pardon, c'est l'autre. Je vais t'attraper, Linus. Revenez ici. Je t'ai pas vu, je t'ai vu. Allez, tiens. Aïe. Je sais ta bite à la vue. Oh, mais quelle lancée magnifique. Prends ça. Elle est encore bleue. Allez, tu l'as remis une ou pas? C'est pas juste. Mangez ça, les crevettes. Alors, ça fait quoi? Non, vous allez pas vous en tirer. Stop, lâchez-la, bande de monstres. Ellie, arrête. Allez, tout ça, mais on a du travail. Oh. Je l'ai bien mérité, non? Ouais. On y va. Donc ça va bientôt couper, vous verrez un montage chuté. Histoire de faire qu'une vidéo et pas... va relever Joël et Tommy. Oh, c'est cool qu'il nous a envoyés ensemble. Voilà. Oh, c'est cool qu'il nous a envoyés ensemble. Tu vas aimer la balade. Salut les filles. Bonjour. Salut.
sais pas pourquoi j'ai pris cette voix là. On l'occupe. Merci. Putain, les Sims quoi, ça s'est déployé. C'est lequel le mien? Oh, je me rappelle du Duraillon quand il est mort. Merci. Allez, c'est bien. Salut, Paillette. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais je peux voir personne. Mais juste dites-moi, c'est bon pour le son ou pas? Très cool, merci. Ouvrez les portes. Il est pas rancunier. On y est. Vous connaissez le topo. Vous suivez l'itinéraire, vous prenez des notes et vous tuez les infectés que vous croisez. Si vous tombez sur plus gros que vous, vous revenez. Pas de conneries, ok? D'accord. Allez-y. L'attention est palpable. Putain, là, je me demande vraiment qui c'est, quoi. Parce que jouer une première fois, vous allez voir, je peux rien dire, sinon je vais spoiler. Mais vous allez être pareil, quoi, si vous avez vraiment, si vous êtes fan, vous avez joué au 1. Ah, même à Left Behind, pardon pour mon anglais. I'm sorry. Ouf, enfin, bref. Let's play. Salut. Salut. De quoi tu rêvais? J'ai dit quelque chose. Non, Mita. Tu faisais grincer tes dents. Je me demande si on entend des glouglous. Quoi? Je vais te montrer. Enfin, c'est super bien foutu au niveau scénaristique, réalisation. Enfin, ah voilà, rien de passer d'un monde à un autre, de protagoniste à d'autres personnages. Enfin, déjà, ça, c'est... T'es sûr que tu veux pas faire ça quand il fera jour, avec quelques degrés de plus? Super bien foutu. Non, ça peut pas attendre. Tu veux pas me dire ce que c'est? Je suis en mode normal, hein. Je dois voir ça. Et franchement, mode normal, bande normale... Qu'est-ce que tu fabriques à traîner comme ça, tout seul? Bon, je trouve... pas simple, mais bon, après, c'est peut-être moi. Et on va vers le sud. Je sais, je vais. Et si on continuait, on pourrait filer jusqu'au Mexique. J'y ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Manu. Déjà, voilà, le fait de s'allonger... Enfin, c'est beaucoup plus fluide, regardez. Enfin, c'est vraiment un plaisir de jouer, c'est fluide, c'est d'une fluidité. Et en plus, c'est beau. Le graphisme est magnifique. Continue comme ça, on sera crevé avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Ouais, elle va bien.
Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. Tu vas rompre avec Mel, c'est ça? Quoi? Non. C'est vrai. T'inquiète, j'ai eu ma dose. Wow. Et ouais, on n'est pas tous aussi gras sur toi. Pas ça. Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Vas-y. Oh merde! Hey, regarde-moi. Abby, ne regarde pas en bas. Voilà, là je joue en journée, mais je vous conseille plutôt de jouer le soir. Ça, ce soir, je vais me faire un gros plaisir, hein, un gros kiff. Peut-être pas ce soir, mais. Enfin, je pourrais. Tu sais où tu peux te les carrer, les peurs. Abby, arrête de me draguer. Pardon, ça me fait rire. Alors, ouais, alors ça, ça va être la nouvelle spécialité du jeu. Moi, je passe pas personnellement dans le jeu, je pense pas. Entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité. En même temps, c'est pas très discret, mais après, c'est vrai qu'ils sont nombreux. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Bon, maintenant, on sait qu'elle s'appelle Abby, lui ou elle. En admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre? Qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, il faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il n'aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée? Sponsorisé par les mecs. Mais elle est enceinte. Oh. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre. Je comprends pas. J'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby. Je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hey. Arrête. On se voit à ton retour. Elle avait 14 ans. Quand elle offre la guitare, on dirait que... Putain, j'en sais rien. Parce que c'est... Voilà quoi, 18-20 ans. Et puis merde. Bon, elle, enfin je sais pas, je parlais pas d'elle, je parlais de Vénie. Bon, allez. Putain, je sais pas ce qu'elle a, mais elle est vénère. Enfin, même si je suis arrivé à certains endroits, sincèrement, je sais pas ce qu'elle a. Pourquoi voilà, enfin, putain, j'ai tellement envie de... Ah non, mais c'est ouf. D'ailleurs, je me demande si ça va me faire refaire le même effet, quoi. Je vous assure, ça va vous... Enfin, je sais pas, au niveau du scénario, je sais pas combien de... Ça fait combien d'années ils l'ont travaillé, là, mais... Déjà, quand on voit le générique... Il a mis une mêle en cloque.
Ah bah, moyen de contraception pendant l'apocalypse, à mon avis, il va. Ça va être compliqué au bout d'un moment. Hein? Gaming et médecine, non, enfin... Enfin, son calme. Je serais pas aussi calme que qu'elle à sa place. Ça me fait beaucoup. Putain, ils sont morts de froid. Mais ils vont se réveiller. Hein. Bref. J'ai pas joué assez pour arrêter de me poser des questions, ça c'est sûr. Putain, et vu comment ça a l'air d'être réel. Oh putain, j'avais zappé. Oh mon dieu. Ça veut dire rester appuyé. Oh putain. Oh putain, vous avez vu comment c'est... Enfin... Wow. J'en ai gueule. On est en mode tuto là. Ouais, donc il y a des nouveautés. J'ai pas envie de... J'ai pas envie d'utiliser des balles. Ok, c'est bon. Non, c'est merde. Attends, j'ai suivi des traces ou pas? Ouais, merde. Et merde. Tout à l'heure j'essaie d'esquiver mais je fais que de la merde. Je me dis que si c'est dans le même état d'esprit, il va falloir économiser ses balles. Ouais. Oh merde, mon épaule. Ah bah ouais, je me doutais que c'était à peu près la même manip, de toute façon. Quand je joue au 1, c'est à peu près... la même façon de jouer. Donc voilà, comment je vais me sortir d'ici? Moi j'ai fouillé partout, hein. Je me suis retapé le 1, enfin retapé parce que c'était pas un des plaisirs. Le 1 en facile, normal et difficile. Plus l'FBI pour vraiment me remettre dans le truc. Et là, du coup, c'est pour ça que je suis à fond. Quoi. Je vois rien. Oh putain, sérieux, je voyais rien quoi. Faut mieux tirer de loin. Je te conseille. Putain, c'est bien fait. Donc, ouais, il m'a l'air d'avoir beaucoup de passages comme ça. C'est un réflexe à prendre. Donc, il y a tout. Discrétion, on va essayer. Et dans le mot carré. Enfin, là, il est pas mis. Si, il est bien.
bien. J'aime bien la sérénité du bien. On sent qu'il se passe à... Des munitions. Je fouille. J'ai vu un truc briller. Dites-moi aussi si au niveau de la luminosité, je suis bien aussi. Parce que j'ai un petit doute. Parce que il demande des réglages. Pourquoi j'ai envie de shooter là-dedans? Je ne sais pas pourquoi. Bon. Je sais pas, je me suis dit qu'il y avait un truc. Oula. Putain, il est pas tout de suite. Ah donc je peux me déplacer. Ça c'est bon à savoir. J'ai pas fait gaffe. Ok, ça c'est cool. Allez, on va s'attendre. Esquive. Esquive. Ah. Ouais, bon. Je maîtrise pas très bien encore l'esquive. Ça par contre, ils ont rajouté ça. Ça c'est cool ça. Je crois que ça manquait un petit peu. Ouais, on sent que ça a bossé. Franchement, j'ai pas regardé de vidéo de qui que ce soit. Je voulais pas être influencé parce que y a plein de jeux où on m'a dit ah, ça va être super et tout. Et déception absolue. Je répète, Resident Evil 3 est un peu une déception pour moi. En fait, je viens de là, donc voilà. Borderlands 3, ça m'a un peu déçu aussi. Donc voilà. Encore une fois, celui-ci, on me l'a offert et je te remercie, mon petit Fifi. Même s'il n'y a que toi qui regardes cette vidéo. Et ben voilà, je te fais un gros bisou. Je l'ai ouvert un peu avant mon anniversaire, mais j'ai pas pu résister, désolé. Ouh là là, ça a l'air de puer là. Il voit toujours pas la lumière. Non, je crois pas. Non, je crois pas. On n'en a pas trop besoin. Putain, j'ai utilisé une balle pour rien, je suis vraiment... Oula, ils sont hyper nombreux. Même allongé, enfin, c'est encore plus discret. Hein. Oh, oh putain. Putain, lui, c'est... Ah putain, heureusement que je l'ai vu parce que lui... Attends, on va voir. Ah, c'est cool, je peux le reculer. Avec des vraies personnes, ça vaut le coup, mais des zombies, on s'en fout. Je vais charger à fond. Hein. Ouh, ça va être chaud. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir derrière. Hop là. Hey. Je suis fat, j'en ai pas d'autre. Y a rien à chercher. Où est la route?
Ça n'a pas l'air d'être là. Attends, il y a un truc là-bas. J'en profite pour voir. Oh, oui. Bah, pas besoin de pelle. Donc voilà, faut vous habituer. Avance croix. Des traces de chevaux. Où est la patrouille? Ellie, à mon avis, et je sais plus comment elle s'appelle, Dana, je crois. Je te suis. Est-ce qu'il te manque, Jessie? Non. Vous étiez ensemble depuis longtemps. Écoute, Jessie est géniale. J'adore ses parents. Ils seront toujours ma famille. Mais on était en pilote automatique. Comment ça se fait qu'on n'en ait jamais parlé avant? Je sais pas. J'avais pas... Toi, tu m'as jamais vraiment parlé de Kat. Ouais. Kat, qui c'est celle-là encore? Aïe. J'avais l'impression que tu l'aimais pas vraiment. Pour tout te dire, je m'en fiche totalement. Ok. Mais elle est douée comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Comme c'est gentil. Mais je pense qu'elle était pas faite pour toi. Intéressant. Et toi? Ok. C'est plus du furt là, c'est du rentre dedans. Yette. Putain. Comment s'appelait l'autre déjà? Durim. Hey. On sent qu'elle a pas eu d'enfance. Tu peux voir un truc hallucinant? Tu vas te montrer du doigt, c'est ça? Ah, je connaissais pas celle-là. Non, hallucinant. C'est pas le mot. D'accord. Allez, la débile. Tu me traites de débile, je vais ailleurs. Classe. Une balle, ouais, putain. Elle est où la classe? Non, ça c'est un coup à prendre. Attends. Ça gâche un peu ça. Ça nous remet dans un jeu vidéo. Mais bon, c'est pas plus mal en fait. Parce que... C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool cette route. Même si on tient au moins de 18 ans. On est toujours assez sensible à cet âge-là. Putain, maman rétro. Je ferme ma gueule. Allez, on y est. En plus, il m'a appris à recâbler des circuits et d'autres trucs dans le genre. J'espère avoir autant la patate à 73 ans. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. Moi, j'essaye des trucs. Alors... Signe le registre.
C'était quoi cet endroit? Ça me rappelle Tess. Parle-moi mieux, s'il te plaît. J'imagine que le banc, c'est celui de Gênes. Ah, il est à moi. C'est lui qui m'a donné. D'ailleurs, t'en as sur toi? Oh, bien. Eh ben, Aurélie, on est devenu. On est devenu une après-adulte, hein, une grande fifi qui aime bien s'amuser. Ben. Donc, Eugène est mort, je pense. Et voilà. Bah, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, mais Bill du 1. J'aimerais vraiment le revoir, ce serait vraiment le kiff. Viens voir. Attends, je regarde. Non, c'est trop tard. Ça me fait penser un peu au Sims, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. Voilà la ville. Avec l'espèce parce que si je vais là. Ouais, on la voit plus, là mais là, on la voit. Viens, on retourne aux chevaux. Bon, je pense que c'est mieux avec les sous-titres. Enfin, j'ai pas écouté la première partie. Mais... J'ai tout pris. Question. Tu portais pas déjà les mêmes fringues hier? Elles sont propres. Je joue. Une patrouille. On est là pour buter des infectés, pas pour un défilé. C'est quand même calme. Et oui, donc, elle fait pas dans la dentelle. Je serais très gênée à la place d'Elie. Toute rouge. Hop. Mais bon, j'ai l'impression que c'est réciproque. Saute, c'est-à-dire du rayon, paillette. Saute, ma petite paillette. On devrait mourir comme Eugène. Quoi, d'un AVC? Non, de vieillesse, après avoir bien vécu. AVC, ouais, c'est cool. T'es trop imprudent. Tu mourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Eh, bon, laisse-moi deviner. Tu vas me tuer? Non. Peut-être. Ta gueule. Désolé. Hey, tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons? Oui. Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. Qu'est-ce que tu sais sur cet endroit? C'est juste un autre quartier qui a été évacué. Les infectés arrivent quasiment jamais jusqu'ici. D'habitude, on échappe sur le périmètre extérieur. Elle est cool, cette caravane. Une vraie petite maison portable. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est hyper sympa. Les gens voyageaient vraiment là. Là, c'est les toilettes. Tu le ferais pas, toi? Si j'avais vécu avant l'épidémie, carrément. J'aurais fait le tour du pays. Ou même partir à l'étranger. Un jour, peut-être. Ah, je m'habitue. Jessie parlait beaucoup du Canada. Elle voulait voir des espèces de chutes d'eau géantes. Ah ouais? Je croyais qu'il était amoureux de Jackson. Chacun ses rêves. Jackson Ville ou... Tu fais quoi ce soir? Je pensais faire une soirée film avec Joël. Oh. Ça sent le rancœur. Ou deux? Ouais. Regarde-moi ça. Oh, je l'ai pas celle-là. Ah, elle est encore dans son trip de cool. De BD. Je sais pas si c'est la même BD. Vous allez regarder quoi comme film? Il aime quoi, Joël? Curtis et Viper 2. Ça fait un moment que je veux le regarder, celui-là.
Ah, ok. On se regardait souvent des films d'action des années 80. Il est complètement fan. Ah. On va fouiller. C'est plutôt pas mal, en fait. Bah, c'est carrément une autre route. Ok. Les chevaux ici. Alors, la caravane. Et toi, alors, tu fais quoi après ça? Avec les autres, on parlait de faire le mur. Donc ça a pris du temps de demander. Ça a l'air marrant. Ouais. Tu veux qu'on se retrouve après? Ok. Peut-être que je jouerai quelque chose. Ok. Ça parle de quoi, Curtis et Viper 2? Ah, les musiciens, c'est vraiment tous des dragueurs, fumes garçons. Et je crois que dans celui-là, ils affrontent des espions. Non, je vais monter. Hein, c'est plus intéressant que ce que je pensais. Ok, donc le jeune Viper a suivi un entraînement de ninja. Et il déchire vraiment tout. Mais il a quel âge dans 10 ans. Il y a eu combien de films alors? 4, je crois. Moi je repiche pas les grands. Tu crois que quelque part, il y a encore des gens qui font des films? Sûrement. Qu'est-ce que t'en sais? Bonne question. Si ça se trouve, ils sont tous comme nous. Ils survivent jour après jour. Bah, je continue d'écrire de la musique, donc si quelqu'un a une caméra. Ah si, la madame est devenue musicienne, elle veut plus être astronaute. Ouh, ça pue. Putain, merde. Genre, le problème avec ce jeu, c'est que je sais pas comment m'arrêter, parce que je suis tellement prise. Oh, ça pue. C'est des infectés qui ont fait ça. Tu crois qu'il... Elle a un air d'Emma Watson, mais c'est pas elle. Mais tant mieux d'ailleurs, parce que je suis pas très fan d'Emma Watson. Mais ça, ce n'est que mon avis. Allons les trouver. Attends, il est long. Encore du sang. Donc non, ok. Merde. Oula. Il y en a à l'intérieur. Comment ils ont fait pour entrer? Coureur. Un petit canif. Il est mort. Et dehors. On va essayer de faire le tour pour rentrer par l'arrière du supermarché. Bonne idée. Tuto, ouais. Tuto éclair. Joli lancé, au fait. Merci. La porte par où on est entré était bloquée. Comment il a fait pour rentrer le coureur? Ouais, c'est une bonne question, ça. Ça sent... Ça doit être celle que j'ai faite. J'ai peur de me faire tuer en spoilant. Je n'en dirai pas plus, mais ça... comme la fin de Walking Dead. Il y avait un groupe de passage. Putain.
Je veux rien rater. On va battre ton record aujourd'hui. Bon, à chaque fois je dis que je vais pas rien rater, je finis toujours par rater un truc, j'en ai marre. Donc je pense qu'il y a que ce passage là. Merde, pourquoi j'ai sauté? Merde, j'ai loupé un truc. Merde, j'ai loupé un truc, il y avait une porte. Non, j'aime pas. Bon, tant pis. Je vais pas revenir en arrière. Droite, c'est un coureur ça? Ou un claqueur? J'arrive plus trop à faire la différence. Quand tu veux, hein. Quand tu veux. Oh, il y en a un juste à côté. Putain, cet effet de caméra est vraiment bon. Ah bah, elle. Je suis dégoûté d'avoir raté la porte. Ah, c'est chier. C'est trop géré. Ça, c'est un claqueur. C'est pas un coureur. Ça doit changer la donne si on les à s'en occuper. Ah putain. Il y en a pas d'autres? Non. Je crois que c'est bon. Faut encore qu'on s'occupe. Je commençais à me dire que tu servais à rien. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Dina. Tina, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça. Je sens la mort se rapprocher pour toi. Je me dis que ça peut pas être aussi facile. Ils ont l'air de bien vouloir partir en couille. Hop, courte échelle, non? Ellie, aide-moi à monter. Je vais jeter un coup d'œil. Ah, la bonne vieille okay, courte échelle. La team de. Uncharted. Il y a un trou dans le toit là-bas. Il y a un des programmeurs qui doit faire de l'escalade, c'est pas possible. Merci. Là, tu vois. Un trou. Ouais. J'ai trouvé comment y aller. Dina, là-dessous. J'ai dit qu'il servait à rien tout à l'heure. Franchement, je retire ce que j'ai dit. T'as intérêt à mourir de vieillesse et pas en te faisant infecter. Je veux pas être obligée de te tirer une balle dans la tête. Ok. Super. Ah.
on dirait une tarée. Par là. Attends, j'ai vu un truc en bas, je suis désolée, c'est plus fort que moi. Ah ouais, j'ai bien fait. Madame, je suis sincèrement désolée pour ce que j'ai fait. Je voulais pas vous faire de mal. Je voulais rien d'autre que les médicaments. Votre mari m'a attaqué, j'avais pas le choix. Ma petite sœur sans plus ses gens, j'ai besoin de suivi. Personne ne veut m'en donner. J'avais pas le choix. J'espère qu'il survivra. Je vous demande pardon. C'est plein de délicatesse. Ah, j'ai du mal à passer. J'ai des bonbons n'importe quoi. Putain, pour quelqu'un qui s'en fout, est-ce que c'est... Ouais. Pop. J'espère que ça va pas couper la vidéo. Ouais, toujours fouiller. Ah. Oh. On recommence. Désolé pour le petit détour, mais... rendu compte au dernier moment. Bon, bah. Merde. Je sais que je peux y arriver. Bah oui, parce que tu viens de le faire, grosse catap là. Non, mais tu mets pas en mode furtif. Putain, merde. Ça, c'est le genre de truc qui énerve. Je sais pas pour vous. Alors, sachant que vous les avez réussi à faire. La première fois d'un coup. Putain. Je comprends pas. Ah putain, j'ai oublié de sprinter. Quelle conne, j'ai oublié d'appuyer sur un... Et non. Non, j'ai pas arrêté de sprinter. J'y suis. J'ai trouvé de l'alcool. Et moi du tissu. Tiens, arrange-toi un peu. Il y a des spores. Il faut les masques. Ok. Personne ne sait qu'elle est immunisée. Oublie pas. Je veux pas te tirer une balle dans la tête. Oh, c'est mignon. Ces spores, ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment. Fais gaffe, les infectés sont plus dangereux. Ouais. Ça fait partie du supermarché ? Je sais pas. Je crois qu'on est au-dessus. Faut qu'on aille au rez-de-chaussée. C'est raté. Soit il y a un indice quelque part, soit c'est comme dans le 1, faut trouver une note. Je sais pas, est-ce qu'ils ont compliqué la donne? Oh, ça me frustre. Pas d'indice pour le coffre.
Un poil de main, une place market. C'est moi ou c'est une photo de chien? Non, j'ai essayé un truc 2013. Il n'y avait pas de moi. Ça, ça met directement 13. Attends. Bon, c'est pas ça. Ah. C'est la meilleure cam dans le coffre. Ok, il y a de la cam dans le... Ah, putain. Je veux la cam. Attends, c'est... Comment elle s'appelle? Myrna. Non mais... J'ai mis très... Et si on essaie ça? Ouais. Wow, faut que je retourne à l'école. Hop. C'est pas la peine. Bon. Je sais pas du tout si c'est un truc logique ou pas. Myrna. Le truc c'est qu'on voit que dalle, il y a juste écrit employé du mois Green Marketplace 2013. Employé of the month. Et du mois. Mais quel mois de 2013? Et